saying they come, since, you know, houses are open here, they come into the kitchens at night, you know, and they start going for the garbage can, boom, boom, you hear things like that. Big crabs, you know, so you have to grab your, like, a broom or something, and you're fighting this crab in there. In the middle of the night, half asleep. Okay, on va continuer. Il y en a beaucoup dans tous les cours d'eau ou... Ouais. Celles-ci, elles sont assez grosses quand même. Enfin, ici, elles se font pas pêcher. Mais ce que j'ai dit, elles se... Tiens, regarde, il y en a une troisième. They don't fish them right here because it's become kind of a tourist attraction. People stop and look at them, but they're all over the rivers. And Tahitians, they're good to eat. Put them in the Tahitian oven. Il est placé, il est séché au soleil, un peu comme les Indiens d'Amérique. C'est-à-dire, ils ne les enterraient pas, ils ne les brûlaient pas. C'était leur façon de. C'était le passage vers le ciel pour eux. So this is Mount Trotui. It's the sacred mountain of Morea. This is where Polynesians would place the dead noblemen and the high priests, and they would set them out to dry. We're trying to develop our dairy products here, you know, milk, cheese, butter. I heard it's too expensive to bring them from. Yeah, right now it's all imported from New Zealand or from France. It's not for the wool, yeah, because we don't need sweaters here. It's mainly for that. Je dis que la... Merde, ouais. Sinon, on se demandait si c'est pas farouche, rien du tout. Alors, des moutons chèvres. Moutons chèvres, malheur. Tropical chestnut, that we call mappé in Tahiti. Ce sont les Américains qui sont venus planter du coton dans les années 1860 pendant la guerre de sécession. Ah, good. Et c'est pour le coton que les premiers Chinois sont arrivés en Polynésie française. Si elle est faite. Naturellement, par les insectes, on a un rendement de 5% seulement. Donc on l'a fait à la main et on a un rendement de 70%. Donc on prend le pollen comme ça, on le met dans la poche en dessous, le mariage se fait. 9 mois plus tard, comme les bébés, on a des gousses de vanille. Alors on récolte ces gousses et on les met dans un hangar. Trop cool ça. Ouais. Ah, mais se ferme complètement. Ah oui. Comment est-ce possible ça? Quoi, c'est sensitif? Ouais. Bah, elle se protège de... C'est dingue ça. Ouais. Et puis elles attendent que tu partes avant de se... Ouais, c'est ce que j'étais en train de regarder. Je les ai jamais vus s'ouvrir de nouveau, quoi. Jamais, ça reste ouais, ouais. Longtemps. Les noix de coco, il y a une période pour les ramasser ou... Non. Les noix de coco, tout le temps. Incroyable. Hein. Et ça tombe sur ta tête tout le temps, s'il faut faire attention. Mais ouais, je sais pas. Toutes celles qui tombent, on voit, elles sont fendues, donc elles perdent le lait. Ouais, et puis d'habitude quand elles tombent, même si elles ne sont pas fendues, c'est le coco à l'intérieur est dur, c'est-à-dire le genre comme... Elles sont très bonnes, mais elles vont... votre bouche devient mauve, la bouche et la langue deviennent toutes mauves. C'est bon. C'est cool. Take this, C'est vrai que ça passe à peu près, c'est vraiment botanique. Ouais. C'est la totale. C'est un temple, ça. We make food out of that.
Pleine exploration de la forêt. Comme vous pouvez voir, la végétation est dense, verte, on peut entendre la cascade. On monte à une cascade pour pouvoir se baigner. Il y a un taux d'humidité qui dépasse les 80%. C'est très chaud. Regardez Indiana Jones. Hein? C'est Indiana Jones là. La voyez là? Elle est là. Allez, ok, on y va. Qui se séparent pour affronter les grands défis du Niagara. On ne rit pas. Go, go. Ah, c'est bonne l'eau? Ouais, menteuse. Indiana Jones sur le retour. Indiana Jones sur le retour. Bien foutu en plus, hein. Bien foutu en plus, hein. Alors, nous sommes le mercredi 20 mars. Il est 6h du matin. 6h moins le quart. On attend le lever du soleil, prendre des photos. Donc il se lève par là en fait. Voilà. On est dans la baie du côté de côté du club là. Vous avez une île là-bas au fond. De toute façon ici il n'y a que des îles alors. Ce que vous entendez, c'est la barrière de corail. Les vagues viennent se casser dessus, là, vous la voyez. Là, voilà.
fait, heureusement qu'il y a ça, parce que sinon ces vagues, on les aurait au bord de l'eau. Alors que comme vous pouvez le voir, le lagon est un calme olympien.
temps de plonger. Bateau de plongée avec les moniteur de plongée. On est dans le coin bar et au théâtre. Toujours une vue incroyable, belle. C'est formidable. C'est extraordinaire. C'est vraiment le paradis terrestre. Je sais pas ce que c'est comme arbre, mais non. J'ai réussi à lui faire acheter une paire de lunettes. On dirait une star. Puis alors, est-ce qu'il croit? Et vous voulez rigoler? Vous savez pourquoi elle porte un t-shirt à la cheveux? Parce qu'en plus, elle a pris des coups de soleil. Ouais, soit disant que c'était moi qui devais apprendre, mais c'était les caporales. Alors, ça fait qu'aujourd'hui, obligé de mettre le t-shirt long et tout, tellement qu'elle est rouge. Hein. D'ailleurs, je l'ai jamais vu comme ça aussi rouge. Hein. Incroyable. Ma foi. La vraie star, quoi. Alors, théoriquement, les moustiques doivent me piquer à moi, mais regardez. Ça donne des états qui se fait piquer, moi là. C'est incroyable ici. Je dois avoir un bon karma, c'est pour ça. Quoi. Moi, j'ai tout fou. Vous savez où on va là maintenant, là, à l'instant là, ben, on va se faire une petite pêche au gros là. C'est moi qui pêche, t'as fait pas aujourd'hui, tu vas pêcher, je suis pas. Je pense aussi. Donc en plus aujourd'hui, c'est disant qu'il y a. En ce moment, il y a des espadons et tout ça, donc on va voir. En fait, de toute façon, vous suivrez le film, vous allez voir. On filmera tout ça. Apparemment les coins d'ombre, bonjour ma cache pote poète. Je trouve qu'il y en a beaucoup des canins.
juste face au club, là, une petite île. Pas une petite île. Il y aurait quand même de quoi construire une belle maison, quoi. Ça me suffirait d'ailleurs, ça. Je vais voir un peu l'arrière de l'île. Et là, en fait, on s'est approché, on est très très près là, de la barrière de corail. Vous voyez ? La barrière de corail, c'est les vagues qu'on voit là au fond. Si on aurait dû en prendre. Ouais. J'en ai pris, j'en avais un peu moi de la dernière fois. Des spécialités de la région. Le haï. Aïe, ah, il y a des gros là-bas dessus. Ouais ouais. Ils arrivent ? Vas-y. Là-bas dessus, là, c'est plein de différents. Oh. Ils sont fous. Ah, je vois plus rien là, ils font trop bouger l'eau. Ah, ça fait. Personne à part nous. Au fond c'est Moréa et là c'est les deux moutons à la droite. Ça c'est un petit lagon. Ça c'en est un autre. Tour de l'île en Rolls. Ah ouais, attends, tu sais quoi? Voiture locale. Non, non, mais en général, quand tu as une Ferrari, on met toujours une gonzesse de... Non, mais t'as raison, là, je suis à l'eau. Y'a personne. Y'a personne. Hôtel Sofitel de Moréa. Je vous dis pas le cadre. Pas que le Club Med ici. Après, tout est une question de prix, hein. Barrière de corail. Ah, il n'y a pas que la nôtre qui a du mal à monter. Sur cette plage. Et je vois l'élastique ici aussi, regarde. Comme un si. Sur le saut. Ouais. Devant l'hôpital, il y en a aussi. Avec le bus. Ah, ok. On y va ? Ouais. Allez.
Santana. Hein. Je crois qu'on peut essayer par là. Hein. Allez, vas-y. Ouais, mais j'y sens pas du tout. T'y sens pas du tout. Je négocie. Oh. Donc on le lui ramène à quelle heure? On lui ramène pas. Comme je lui ai donné une empreinte de carte bancaire qui est dans le bras. On va le ramener à la maison. La carte bancaire que je lui ai donnée, c'est une carte volée, alors rien. Sors-toi du cockpit carrément, tiens-toi à la barre. Et... T'as raison, ah, on y va. Mais t'as une barre. Hein. Où aller? Où aller? Derrière. Oh putain, ouais. Oh là là. J'ai pas arrêté de filmer, hein, je vous signale. Lui, il arrive chez lui là, parce qu'en fait, c'est sa propriété depuis le début du chemin. Le mec, il roule plein de fer dans sa propriété, il tourne. Sur 4 touristes complètement paumés. Oh là, elle est bonne, ça y est. Alors, on est au fin fond. Ah putain, on est au fin fond de Tahiti là. Moréa, bon. Moréa, pardon. Ah, il y a le signe batterie qui s'allume. Où est la Casbah? Enfin, ouais, celle qui construisent. Celle qui construisent où? Ah, voilà. Photo? On fait une photo, Sandrine? Bah, tu fais une photo? Bah, tu me dis. Oui, c'est quand je serai passé que j'ai dû aller me dire oui. Construction typique. Bon, ça va, on le sait qu'il n'y a plus de batterie, il me gonfle pas. Là, il y a Cyclone qui arrive, Nestor. Cyclone Nestor qui arrive là. Ça va les filles d'ailleurs? Ça va. Ah c'est bon. Ouais. Du jour là. Ouais. Surtout qu'avec les portières qu'on a sur la voiture, je veux dire, ouais, c'est vite fait. Hein. On se le fait à droite lui ou quoi? Ouais, tu te le fais à droite. Ouais. De toute façon, on est en Angleterre ici, non? Et c'est les Anglais qui ont colonisé avant nous. Bon, il nous fait quoi là, lui là? Il traite-le de pouilleux là. Pouilleux! En face. Ah, y'en a un qui arrive en face? Ouais, voilà, donc il y a trois de fond, ça va faire mal. Hein. Et il nous la joue quoi lui là? Il nous la joue casse-couille là? Et moi, son cul de la voiture, ça n'a rien à foutre. Plus ça de là. Oh, joli, ouais. Oh là 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 là. C'est pas des chiens. C'est pas des chiens. C'est les croisements. Hein. L'aéroport. À la droite, c'est l'aéroport. Aéroport de Moréa. Couvre la prise là derrière. Putain, ça bouge, hein. Ah, on va se prendre un orage sur la tête. Je vous dis pas l'engin. Hein. On s'en fout, là, on a un toit là. Hein? Ouais, mais je vous signale qu'on y va dans la montagne là. En fait, je vous ai expliqué, il y a 62 km de route goudronnée. Et il y en a 22 non goudronnés, il a fallu qu'on prenne celle-là, nous. Thank you.
était bon leur café. Ah, hey, sandwich. Hey, sandwich. Pas trop dangereux. Les clés de la voiture, non, quand même. 4, 3, 2, 1, 0. Ah, moins 1, moins 2, moins 3. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Moins 4. Je filme à l'envers. C'est du moins de 3 mètres. C'est quoi cette connerie là? Après avoir bu un canon, tu n'arriverais jamais à remonter l'escalier. Ouais, mais c'est pas grave, t'es à l'abri. Le Splanka. Ça a été au master tout à l'heure. Ouais, non, mais ils sont intéressants. Vous allez voir, remarquez, vous allez faire la différence. Ils sont en train de se faire. Moi, bah, ici, au musée de la jeune femme, elle nous expliquait que l'artiste c'était la télévision. C'est pour Réa et Calixte, ça Il a des esprits en pagaille, des poissons en pagaille. J'aime pas parce que t'as vu ce qu'il disait. On y a été deux fois, c'est ta vie là, 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 là. Je vous le dis.